erhöht ihn vor, tun ihn nach dem Himmel. Afrique, pour toi, Mali, notre combat sera unité. Le Fonds pour la consolidation de la paix, PBF, a été créé en 2005. Conformément à la résolution 6180 de l'Assemblée générale des Nations Unies et la résolution 1645 du Conseil de sécurité en faveur de la consolidation de la paix à travers des activités d'urgence dans les pays en conflit ou en sortie de crise. En effet, cette cérémonie est le couronnement d'intenses activités de démarches, de négociations, d'identification, d'orientation menées entre les agences du système des Nations Unies au Mali, à savoir l'UNICEF et la FAO, le Fonds de la consolidation de la paix des Nations Unies, et le tout sous la caution du gouvernement malien. Le projet est devenu aujourd'hui une réalité. Le projet deuxième décennie pour la paix, qui va couvrir deux régions d'élevage extensif au Mali, à savoir Tombouctou et Mopti, constitue un soutien considérable aux acteurs et professionnels des secteurs de l'élevage et de la pêche. Il contribuera aux efforts de consolidation de la paix entre les communautés d'éleveurs, de pêcheurs et d'agriculteurs vivant le long du fleuve dans les 24 communes cibles. Il se fixe comme objectif de renforcer la capacité de 1000 jeunes éleveurs, agriculteurs et pêcheurs en les initiant à la prévention et à la gestion des risques liés au pastoralisme. C'est pourquoi le programme de développement durable à l'horizon 2030, dans sa finalité qui est la mise en place de sociétés pacifiques et cohésives, a mis le focus sur ces défis en faisant de la paix une condition absolue pour le développement tout en étant une de ses principales conséquences. Deuxième décennie pour la paix nous honore tous, car il vient une fois de plus confirmer que les jeunes sont un pilier incontournable de la recherche de la paix au Mali. Le choix de la zone de mise en œuvre de ce projet, à savoir la partie nord de Mopti et la partie sud de Tombouctou, suivant le fleuve Niger, est tout à fait pertinente de nos jours. Depuis début 2015, la région de Mopti, le delta central du fleuve Niger, zone communément appelée le Massina, notamment les cercles de Ténénkou, Djéné, Bankas et Douenza, est devenu un foyer d'insécurité. La pression sur le foncier et les ressources hydriques engendre des disputes entre les communautés d'agriculteurs, d'éleveurs nomades et de pêcheurs. Il suffit parfois d'une victime pour qu'un conflit interpersonnel dégénère en un conflit intercommunautaire. Face à ces défis, un énorme potentiel se dessine, celui de la jeunesse. Puis la paix de placer les fils au bon endroit.